On s'avance direct. Un siècle. Un siècle entier passé à bailler et ronfler sauvagement. Il semble que les héros de la croisée des rêves soient sous l'emprise d'une puissance somnolifère mystérieuse. Ou alors mes petits chéris avaient juste besoin de faire un gros dodo. Pendant ce temps, les cauchemars se sont multipliés. Ils se sont répandus. Ils ont engendré de nouveaux démons encore plus stupides et terrifiants qu'avant. La croisée des rêves est en danger, mon ami. Va et réveille promptement nos héros de légende. Salut tout le monde, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, donc le premier épisode d'une série qu'on compte lancer et finir cette fois-ci, c'est sur Rayman Legend, donc un jeu de plateforme, et je suis en compagnie d'une professionnelle du genre, Morgane. Salut Morgane. Bonjour, bonjour, c'est moi Morgane. Voilà, donc on est parti, ah t'as le même que... ouais. Alors, je te suis, vas-y. Saut de base. Passe devant. De manière qu'on ne peut pas choisir. Vu qu'elle joue sur mon compte, voilà, on peut pas choisir. Elle a pas pu prendre de perso. Alors. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est qu'à deux, c'est plus chaud que seul. Donc, déjà, moi, je suis pas très. Tout seul, tu m'as foutu un de ces. Eh, mais laisse-moi. Bah, oui, non, il y a des avantages et des inconvénients. Ah. Alors ouais, le truc qui est cool quand on est deux sur ce type de jeu, c'est qu'on peut se ressusciter. Ce que j'ai découvert. Par contre, ouais, bah du coup, il y a plein d'interactions à faire où faut gérer entre les deux personnages parce que si on appuie, on va le voir un peu plus tard dans la vidéo, si on appuie deux fois sur B, ensemble, en fait, bah ça, les interactions qu'il va y avoir avec le décor vont nous faire décéder dans d'atroces souffrances. Oh, il donne un petit cœur. Mais bon, oui, c'est plein d'amour et de magie ce petit jeu, c'est merveilleux. Le monde des bisous. Voilà, on a même des copains qui viennent nous aider, c'est beau. Oh, il a un peu la tête à Rodarius, pas. Ah, ça. Oh. Non, j'ai cru que je t'avais tué. Non, non, t'inquiète pas. Bon. Je ne meurs jamais. Attends, il y a l'air d'avoir quelque chose là-bas. Ouais. Je trouve le. Donc en appuyant pour trouver notre petit ami, voilà. Chatouille le méchant. Ah ouais, c'est peut-être lui qu'on n'a pas eu. Ouais, on n'a pas eu toutes les loups tout à l'heure. On fait un petit essai vite fait. Alors attends, non, à mon avis. J'ai perdu mon petit cœur. C'est la pro du B, hein. C'est elle qui fait tous les B, on s'est d'accord avant la vidéo. Effectivement, je sais pas pourquoi, mais le B ça me vient naturellement, c'est comme ça. Alors que moi déjà, si j'arrive à la suivre, c'est déjà pas mal parce que... Non, moi j'ai tendance en fait à partir devant. Tout à et fait. Mais pas forcément en sachant... C'est-à-dire que, non, c'est bien, tu pars devant, mais des fois, du coup, il y a des trucs, chercher un peu les, Rayman, les secrets, les mini-jeux cachés. Et alors, par contre, quand vous êtes à deux, si votre personnage, s'il y a un des personnages qui dépasse l'autre, à tel point qu'il est plus sur l'écran, le deuxième personnage meurt. Là, on est pas mal, là. Là, on commence. J'aime vivre dangereusement. Ah non, j'ai raté le... Je suis mort. Non, même pas. Non, tu étais dans le vent en fait. Tu peux nager. C'est pas un acide.
incroyable. Alors attends. Ouais bah. Par contre là je vais mourir. Voilà. Bah oui, mais je pensais que tu suivais en fait. Go. Attends, tape d'abord le méchant de l'outil. Et après je vais sauver. D'accord, ça c'est un raté, voilà. Voilà, on l'a sauvé, c'est bien. Mais en fait j'ai trop tendance à regarder le personnage de Morgane, je sais pas. On devrait changer les manettes. Bah non, parce que ça reviendrait au même en fait. C'est juste que quand il y a deux personnages, c'est pas forcément facile de se dire voilà, je suis. Pourtant, je suis quand même le personnage principal. Hein. Ouais, Bim! T'as vu? Tape-moi. Faut que tu viennes vers moi. Parce que oui, du coup, quand on meurt, on peut se diriger. Et en fonction, on peut se réanimer. Non, c'est assez cool quand même. C'est... Alors, oui, alors là, il faut tourner. Encore un temps. Ok. Je peux pas tout tourner. Je laisse mon copain tranquille. Yep. Alors, mini-jeu. Alors, comment on a fait tout à l'heure ? Ah ! Non, bah voilà. C'est quoi, sauf moi, parce que je sais pas pourquoi je suis en live. Voilà. Alors là, il suffit de tourner un peu la machine. Et bien viser. Là, tu lâches. Allez. Hop, hop. Attends. Ah ouais, t'es comme ça. Ouais, direct. Allez. Lâche donc. Voilà. Casse-tête. Voilà. Génial. Et donc le but est de génial, sauver le but est de sauver tous les petits bonhommes là qui nous font des gros bisous, les petits êtres, voilà. Pour débloquer les coupes à la fin, vous avez un niveau minimum, donc soit la coupe bronze, soit la coupe argent, soit la coupe or en fonction du nombre de looms que vous avez récupéré et du nombre de persos que vous avez sauvé. Alors attends quoi. Je repasse le chauffer. Le passage. Ah. Mange donc. Voilà. Le début est très basique au final. Hein. Le décor est vachement. Le décor est vachement sympa. Les ambiances sont rigolotes. C'est assez. Ouais. À jouer à deux, c'est assez fun. Après moi tout seul, je suis pas. Alors de l'autre côté. Friand de ces jeux-là. Ouais, musique d'ambiance. Non. Musique d'ambiance. Ouh, t'as trouvé quelque chose, voilà. C'est dingue. Hop, on est parti. Alors, je vais en profiter pour vous raconter un peu notre life. Donc, Rhoda a eu des examens, c'est pour ça qu'on n'a pas fait de vidéo depuis un bon moment. Il a eu ses partiels, etc. en fin d'année. Avant, on avait eu des soucis avec les PC. Etc. Donc là on devrait reprendre normalement au début janvier, donc, bah, avec la série sur Rayman déjà que je fais avec mon amoureuse. Et il m'a fait peur lui. Et puis en ce moment moi je sèche pas mal Minecraft, version Xbox One du coup. Et on va faire une vidéo explicative je pense avec Rhoda justement, en parlant de bah, s'il est d'accord, sinon je le ferai tout seul. Mais en faisant des maps PVP ou des maps crée ta map, voilà, donc avec les abonnés YouTube, etc., ceux qui sont sur Xbox One, on pourra, on va faire tout un programme Minecraft en fait déjà. Non, mais moi je reste là et je tape. Le château il reste là. Voilà. Donc on va faire tout un programme Minecraft, on va reprendre sur du Minecraft. Normalement on va y avoir du Call of Duty si on arrive à faire des scores assez potables, parce que c'est un jeu qui est. C'est un jeu qui bouge beaucoup, c'est assez difficile de faire des grosses séries. Et du coup premier niveau fini, on va avoir la coupe or. Non, je ne crois pas. Ah, oh de très très peu, je pense qu'il nous en manque genre 3. Ouais, un truc comme bon, ça. On a eu un petit papier à gratter, donc ce petit. Petit facteur chance avec le trèfle. Du coup voilà, les vidéos vont normalement recommencer. Et en ce moment je suis pas mal en live sur Twitch normalement.
Donc si, voilà, pareil, hein, vous devez avoir les liens dans notre chaîne YouTube. Donc si vous voulez venir nous voir en live sur Twitch, on fait pas mal de Minecraft et on rigole bien. Le jour quand on a fait les 6 heures de Minecraft, c'était assez rigolo. Donc voilà, alors là, on fait le suivant. Bah là, à la fin de chaque niveau, on peut appuyer sur Y, voilà. On gagne des trucs, en règle générale. Donc, est-ce qu'on présente là, tous ça... les... On va déjà aller gratter le ticket surprise. Voilà. Voilà, gratte-moi, hop. On va gagner des loons, je pense. Voilà, 500 loons. Donc ça, c'était le petit bonus. Sinon, vous avez... Est-ce qu'on le fait tout de suite? Oui, bah tant qu'à faire, autant présenter. Alors... à la galerie des héros. Donc voilà, la galerie des héros, c'est tout bête, c'est des héros que vous pouvez débloquer pour les jouer. Donc il y a ceux-là qui sont déjà débloqués. Il y a ceux-là qui sont de base. Dont les deux qu'on a déjà. Voilà. Et puis ensuite. Je vais en profiter pour changer d'ailleurs. Voilà. C'est ça que je voulais faire. Elle va changer de perso. Attention, voilà. Voilà. Il est quand même beaucoup plus classe comme ça. Ça fait un peu moine tibétain. Voilà. Donc après, une fois arrivé à 2000 looms, vous avez ce perso là, enfin, etc, etc. Donc à savoir qu'il faut pas les acheter, c'est le palier, quand vous atteignez 2000 looms, vous avez le personnage se débloque gratuitement, ça vous enlève pas, voilà, ça vous enlève pas les looms. Voilà. On y va. Alors c'est un jeu qui est sorti il y a déjà un moment, hein, Rayman Legends. Et je ne connais, enfin si j'avais fait peut-être un Rayman sur PS1. Parce que Rayman ça existe depuis déjà. On va aller au truc principal. Hein. Oui, mais c'est la première fois où il y a autant de possibilités de jeu en dehors. Parce que là il y a le Kung Foot, alors que c'est un espèce de football amélioré qu'on voilà. trouvera peut-être un de ces quatre. Là vous avez les défis, les challenges. Donc ça, là, c'est les challenges qu'on débloque au quotidien, donc tous les jours, je crois. Et on peut essayer de se confronter avec les autres joueurs en fait. C'est un petit peu plus ou moins en réseau, mais on n'est pas. C'est une multi, sorte de ouais. compétition en fait, où, voilà, pour savoir celui qui aura plus. C'est des défis où il y a des coupes challenge. À débloquer, etc. Voilà. Le Kung Fu, ça je sais plus. C'est quoi ça déjà ça, je sais pas encore ce que c'est. Enfin, moi je ne sais pas. Gratte un ticket surprise pour gagner ton premier. Et faire Pardon. Sauter ce verrou. Bon, on verra ça tout à l'heure. Voilà, donc là les héros. Ça et c'est les mondes, le monde principal. Ça c'est le monde, voilà. Et après vous débloquez. On est déjà à 9, donc ouais. Donc après, entre le monde principal. Je sais pas combien il y a de niveaux par monde par contre. Voilà, donc là c'est le niveau qu'on vient de faire. On va au suivant. Hop là. Ah, c'est beaucoup plus dark, là, tu vois. Ça, c'est dingue. Oh, merci. Hop. Moi, je suis là pour démolir les types, en fait. Je alors, fais... attention, elle vient toujours chercher dans les coins et les recoins du jeu. Il y a des choses qui se cachent. Hein. C'est vrai que, ouais, c'est un jeu, c'est... Faut, en fait, c'est un jeu où, rapidement, quand vous jouez rapidement à un jeu, ça peut être classe. Ouais. Mais le problème c'est que ce n'est pas le but parce qu'il y a plein de niveaux cachés que moi quand je l'avais commencé tout seul, je l'avais testé quand je l'avais acheté. Et il y a plein de niveaux cachés que j'avais pas vu en fait. Parce que je fonce dans tous les jeux, c'est mon problème d'ailleurs. C'est que je fonce beaucoup trop sans réfléchir en fait. Voilà. Alors on y va. Ah ça va tout vite. Voilà, la petite glissade. Ah c'est bon. Ah, voilà ça. Hop. Alors après voilà, les ennemis sont pas. Par exemple là. Les ennemis cassent pas des briques. C'est pas l'important du jeu, mais c'est vrai que ouais, rechercher les trucs c'est pas. Et puis c'est pas toujours évident à... Alors. Là on voit bien d'en haut que les mains et les étoiles sont un petit peu. Voilà. Dangereux. Faut pas aller. Faut pas aller sur les mains et les étoiles. Voilà, donc on peut aller sur le rond, sur le carré. Ah, je suis allé sur le carré. Et voilà. Les animations sont quand même vachement fun, ouais. Je trouve. Les animations des personnages, que ça soit les danses, etc. à la fin des niveaux ou quand vous débloquez, c'est vachement sympa.
très comique. On peut aussi se battre contre le... Voilà, on peut se taper, voilà. Attends, descends pas. Alors reste là où tu es. Non mais attends, je peux remonter. Hein. D'accord. Voilà. Oh ouais. Vous avez vu, c'est quand même elle la pro, la professionnelle de... Attends. Non mais la pro, le premier MMO où j'ai joué, c'était vraiment sur ma première console, la PS1 quand j'étais petit. Enfin du moins plus jeune. Il y a des restes, il y a des restes. Hein, y a voilà. Des restes. J'ai passé de nombreuses heures. En fait, même quand moi je prends un cœur, si j'en ai déjà un, ça coule d'autres. Ouais. En fait. Ouais, ouais. Là, je vais aller voilà. Hop. Wow. Attends. Il y a un truc en dessous. Ouais, ouais, on l'a fait. Bah, c'est juste. Wouah! Non! Je me suis tout clashé? Non mais je me suis planté quand même. Bref, alors. Là comment. Ouais, tu fais. Ouais parce qu'en fait quand on saute, on dirige le joystick vers le bas et ça fait une attaque. C'est une attaque forte de base. Et ça permet aussi de faire tout ce qui est interaction avec l'espèce de trampoline que vous avez. Là, je... Pourquoi mon cher ami ? Sinon je vais mourir. Parce que je dois remonter là ? Et encore ? Ah ouais, je sens qu'il y a... Sinon ça va pas. Attention, ouh. Alors c'est vraiment un jeu, moi, que je trouve plus fun. Je trouve plus fun à plusieurs que tout seul, par contre. Alors après, ma copine, pas du tout. Eh bah c'est bien ça. Ma copine, pas du tout, parce que... Parce qu'elle est enfin, fan. Je sais pas, c'est un de tes jeux de plateforme, c'est un de tes jeux préférés. Un de tes types de jeux préférés en fait. Ouais, j'aime beaucoup. Non, c'est vrai que bah, c'est interactif, je trouve ça marrant. Ça et les jeux comme. Réfléchir un peu. Je sais pas, après le monde, les masques, toujours, c'est ouais, c'est un monde un peu légendaire, un peu. Et il est vachement beau aussi. Enfin. Ouais, ouais, graphiquement, les décors sont quand même bien. Graphiquement et tout, les persos sont vachement bien faits. Voilà. Ça reste pas si gamin que ça en fait. Attention, on monte. On ne descend pas. Moi j'obéis. Hein, je... non, parce que. Ouais, moi je suis. En fait, moi je suis la brute. Et toi, t'es le cerveau. Ce qui va d'ailleurs assez bien avec le physique de ton personnage. Allez, go. Je me suis fait bouffer. Ah non, mais c'est encore moins évident, je trouve, de jouer en faisant la vidéo, parce que bon, faut quand même qu'on parle en même temps. Faut pas qu'on va pas vous laisser des blancs de 10 minutes dans des vidéos. Bah si on peut monter, mais voilà, je te laisse. on va pas vous laisser des plans de 10 minutes, et du coup faut se concentrer mais en même temps vous parler. Olé. Voilà. Alors, on peut dire qu'on est posé au calme avec notre tir royal. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ouais. Désolé. Un non, petit c'est coup pas pour grave, la... vas-y, t'as pointu, y'a pas de soucis. Ah, j'aurais dû monter. Ouais. C'est pas grave. Voilà, un chacun, pas de jaloux. Hop. Eh, t'as vu ça un peu? Hop, hop. Ça voilà. Va. Tout se passe bien pour l'instant. Ah, j'ai oublié de le taper. Ah, c'est pas grave, celui-là. Alors là, par contre, si. Attends. Ouais, merde. Ah. Tape-moi en route. Voilà.
Oh là là. Quel professionnel. C'est beau, ça. Quelle action. Et on les a presque tous. Ouais, ouais, il nous en manque un. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Ça doit être plus tard. Ouais. Ça doit être plus tard. Ah. Géranium. Voilà. On lui dit Géranium. Et juste ici. Les méchants, je trouve, sont vachement rigolos. Ouais, mais tout est. Mais alors, c'est un jeu, franchement, si vous avez. Si vous êtes frère, enfin, vous avez des frères, des sœurs, etc. Non, mais pour s'amuser à la console, c'est pas toujours évident à trouver des jeux. C'est pas toujours évident à trouver des jeux où t'es, tu t'entends bien avec tes frères et sœurs, où ça te fait rire et tout. Saute. Ah mais... C'est quoi, je vais. Ouais, vas-y. C'est pas toujours évident à trouver des jeux de fun comme ça avec tes frères et sœurs quand t'as. Ouais, mais ça, alors que là, tout âge quoi. Vous avez un petit frère, etc. qui vous tanne pour jouer. Ouais, on joue à la console. Vous voulez pas pourrir votre ratio Call of Duty. Vous voulez pas pourrir, voilà. Vos scores à FIFA, etc. Vous lui mettez du Rayman, vous jouez avec lui, vous allez autant rire que lui pour. Ah ouais, on a eu la coupe d'or. Eh ouais, on a eu la. Bah oui. Je pense pas qu'on ait toutes les cages. Tous les petits êtres. Si. Normalement. Ah non, il nous en manquait peut-être une dernière. Il nous en manque une dernière. Et là, c'est à ce moment-là qu'il y a la petite musique merveilleuse. Voilà. Alors. Tant qu'on y est, attention, si cette série plaît aux gens qui voient la vidéo. Que vous mettez des likes et qu'on atteint. Allez, sur un épisode, on atteint les 80 vues. Allez, 80 vues, c'est déjà beau pour un oui. Pour le début. 80 vues, on fait une. On met la facecam, donc avec la Kinect Xbox. Et quand on finit un niveau et qu'on a la coupe d'or et qu'ils font leur danse, on vous la fait face caméra, tous les deux. Oh oui, en live. La danse de notre personnage. La danse de notre personnage respectif. Voilà. Alors, au cas où, dès qu'on arrive à 60, on essaiera de s'entraîner un petit peu à l'avance quand même, que ce soit pas trop affreux. Au cas où, voilà, non, ça va faire du. Voilà, bon, bah écoutez, on arrive à 22 minutes de vidéo, on a fait deux niveaux, c'est très bien, c'est parfait. C'est sans parfait. Pression, comme disent les autres. Alors, on va arriver à la fin de la vidéo, donc je vais dire merci à Morgane de nous avoir fait l'honneur de sa présence pour la première fois, mais pas pour la dernière. Voilà, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée suivant quand vous voyez la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un j'aime, un commentaire, un pouce rouge, tout ce que vous voulez. Voilà, ça nous a fait plaisir, on espère que vous avez autant apprécié que nous. Et puis je laisse le mot de la fin. Morgane, qu'as-tu à dire de ta voix la plus suave? Le mot de la fin, vous avez écouté, moi je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, bonne. Oui, non, tu peux dire que tu reviendras souvent, que tu es une fille charmante, voilà, et que du coup, tout le monde doit s'abonner à la chaîne juste pour toi. Je suis vraiment quelqu'un de génial. Tu as de la génialitude. Oui, on gagne de la génialitude maintenant. Sans suivre pour les autres vidéos, vous verrez peut-être qu'on gagnera des points de génialitude. Niveau de génialitude. Mais non, bah écoutez, gros bisous à tout le monde, et puis j'espère à bientôt. Voilà, gros bisous. Ciao.